une monnaie. Probablement une Napoléon III. On distingue le buste de ce côté-là. De l'autre côté, l'aigle impérial. Donc à mon avis, elle va bien ressortir. Je vous ferai quelques photos après nettoyage. Reste d'un clip certainement. Là. Un clip. Clip chargeur, 3 coups. Pas loin de la petite position. Un clip chargeur allemand. Pas très loin de là où j'ai trouvé les clips français. Donc ça veut bien dire que cette position changeait de camp au fur et à mesure des batailles. Dès que les Allemands progressaient, ils se postaient ici. Et dès que les Français reprenaient la position, ils se remettaient là. Donc voilà, c'est pour dire que les positions étaient utilisées par les deux camps au gré des batailles. Peut-être d'autres avec un peu de chance. Voilà. Un autre. Un autre clip. Là, c'est le deuxième. Clip allemand de la Première Guerre mondiale. Sur environ 3 mètres, clip allemand et clip français de la même époque certainement. Les voyez, clip allemand de la Première Guerre mondiale, j'en ai trouvé deux, et un clip français. Et cela, c'est certainement le reste d'un clip. On voit encore le fer qui servait à soutenir les munitions entre elles. Sortie. Une autre monnaie. On verra ça après nettoyage si on arrive à récupérer quelque chose.